Nous allons continuer notre approfondissement de la vie de Sœur Faustine demain. Ce sera le 22 février, le 22 février 1931, a eu lieu la demande explicite de Jésus pour qu'un tableau de la miséricorde divine soit peint. Et demain, donc, il y aura même quelques prières pour se rappeler 90 ans de cette demande de Jésus. Mais il a fallu quand même un certain temps pour que Sœur Faustine, qui était une sœur, donc elle ne pouvait pas tout faire ce qu'elle voulait facilement, il fallait qu'elle passe par l'autorisation de son supérieur et de son directeur spirituel, a réussi finalement à faire peindre ce tableau. On est rendu maintenant en 1935, où Jésus demande que ce tableau soit exposé publiquement. Le désir de Jésus d'exposer le tableau en public n'avait pas encore été accompli, de même que la création de la fête de la miséricorde divine. Alors, en février 1935, Jésus avait révélé à Faustine une nouvelle forme du culte, proclamée la vénération de la miséricorde. Par rapport à cette forme, il avait formulé des promesses relatives à la vie future et terrestre. Sœur Faustine avait noté ces paroles. Donc Jésus disait, « Envers les âmes qui auront recours à ma miséricorde et envers celles qui glorifieront et parleront aux autres de ma miséricorde, j'agirai à l'heure de leur mort selon mon infinie miséricorde. » Dans une autre apparition, Jésus lui avait dit que ces personnes ressentaient déjà sa protection au cours de leur vie. Les âmes qui propagent la vénération de ma miséricorde, je les protège durant toute leur vie comme une tendre mère son nourrisson, et à l'heure de la mort, je ne serai pas pour elle un juge, mais le sauveur miséricordieux. Et il avait promis aux prêtres qui parleront de la miséricorde divine dans leurs homélies que celle-ci serait particulièrement efficace dans l'action de la conversion. Il dit à mes prêtres que les pécheurs endurcis se repentiront à leurs paroles lorsqu'ils parleront de mon insondable miséricorde, de la pitié que j'ai pour eux en mon cœur. Le 19 avril 1935, vendredi saint, Sœur Faustine entendit à nouveau les paroles de Jésus. Je désire que cette image soit honorée publiquement. Encore avant Pâques, elle dit à l'abbé Sopoko que Jésus était fâché contre lui et exigeait qu'il installe le tableau pour 3 jours à la porte de l'aurore pour clore la célébration du jubilé des 1900 ans de la rédemption. La fin des célébrations tombait le premier dimanche après Pâques. Quand l'abbé Sopoko se demandait comment accomplir cette tâche, le téléphone sonna. Ça devait être des vieux téléphones, une espèce de cordel, vous savez, 1930. C'était le curé de la paroisse de la Porte de l'Aurore, l'abbé Stanislas Zadowski, qui lui demanda de prêcher pendant 3 jours de célébration finale du jubilé. L'abbé Sopoko accepta à condition que le tableau de Jésus miséricordieux soit installé comme décoration dans la Porte de l'Aurore. L'abbé Zadowski donna son accord. C'est ainsi que le désir de Jésus a dû se réaliser. On peut supposer que la décision de l'abbé Sopoko a été influencée par quelques facteurs. Tout d'abord, parce que depuis presque 2 ans, Faustine venait se confesser chez lui et il était capable de mieux évaluer sa vie spirituelle. Il lisait le petit journal dans lequel Sœur Faustine notait les ordres de Jésus et en même temps, il examinait les écrits des grands théologiens et l'Évangile pour y repérer les attributs dont il parlait. L'archevêque Jaworski, qui n'était pas alors à Vilnius, n'a pourtant pas été informé de l'exposition du tableau. Selon l'abbé Sopoko, ce fait était décisif pour l'attitude ultérieure, pas toujours favorable, de l'archevêque envers ses actions menées pour propager la vénération de la miséricorde divine. L'exposition du tableau de Jésus miséricordieux dans la Porte de l'Aurore, l'endroit du culte le plus important non seulement à Vilnius, mais aussi après Częstochowa dans la Pologne entière, le deuxième plus grand lieu de pèlerinage en Pologne.
as-tu procuré une grande joie à Sœur Faustine? Il est évident que le tableau n'a pas été installé à la fenêtre de la chapelle. Il n'a eu en aucune façon voilé l'icône miraculeuse de la Vierge Marie. Il fut accroché à gauche, à une fenêtre de la galerie du côté de l'église Sainte-Thérèse, et restera à cette place jusqu'au dimanche 28 avril. C'était le 25 avril 1935, 7 heures du soir. Le tableau de Jésus miséricordieux avait donc, comme je le disais, été accroché à la fenêtre du premier étage de la galerie, clôturant le jubilé des 1900 ans de la Rédemption. Sœur Faustine a vu ce moment. Elle était parmi les personnes qui décoraient le tableau avec des couronnes de petites branches vertes. Personne ne voyait pourtant ce que voyait Faustine, le vif mouvement de la main de Jésus qui traça un grand signe de croix. Le soir du même jour, alors qu'elle était dans sa cellule, elle vit également cette image survoler la ville, et cette ville était tendue de réseaux et de filets. Quand Jésus passa, il coupa tous les filets et à la fin, il traça un grand signe de croix et disparut. Le tableau était impressionnant, se rappelle l'abbé Sepoko. Pour qui cette œuvre retenait plus l'attention des gens que l'icône de la Vierge Marie? La mère Borgia s'en souvient. Les uns secouaient la tête, les autres haussaient les épaules sans comprendre le thème du tableau. D'autres admiraient encore les rayons double blanc et rouge, sortant non du cœur mais de la tunique écartée. Je comprenais bien qu'on considérait le tableau comme le nouveau modèle du tableau du cœur sacré de Jésus. Sans y attacher de l'importance, il s'éloignait. Le lendemain, le vendredi 26 avril, était une belle journée de printemps. Autour de la porte de l'Aurore, environ 20 000 personnes étaient réunies. La petite chapelle et la galerie ne pouvaient contenir que peu de personnes. La plupart étaient dehors dans une ruelle étroite, fermée du côté gauche par l'église Sainte-Thérèse et à droite par les maisons derrière lesquelles il y a encore aujourd'hui l'église orthodoxe des Pères Basiliens. Dans la chapelle, la dernière messe clôturant le jubilé de la Rédemption fut célébrée. L'abbé Sepoko prêchait. Il parlait de la miséricorde divine. Plus tard, il avouera qu'il ne se référait pas aux expériences de Sœur Faustine ou au tableau, mais qu'il associait la miséricorde divine à la Rédemption. Cependant, Faustine a noté qu'avec le début de la conférence de l'abbé Sepoko, le tableau avait pris un aspect vivant et les rayons pénétraient dans les cœurs des personnes réunies, mais pas dans la même mesure. Les uns en recevaient plus ou moins. Soudain, elle entendit ces paroles. Tu es le témoin de ma miséricorde. Tu vas te tenir pour l'éternité devant mon trône comme un vivant témoin de ma miséricorde. Pendant le retour au couvent, un grand nombre de démons entouraient Faustine. Ils la menaçaient de terribles souffrances. Elle écrit. Des voix se firent entendre. Elle nous a ravi de ce que pourquoi nous avons travaillé pendant des années, disaient les voix. Lorsque je les ai questionnés, d'où venez-vous en si grand nombre? Ces personnages magnifiques me répondirent, les cœurs humains ne nous tourmentent pas. Cela a eu de nouveau lieu au cours de la même journée pendant les jours suivants. Elle avait des visions de Jésus comme il était sur le tableau, avec des rayons de la miséricorde qui se répandaient sur le monde entier. Le tableau est resté dans la galerie d'Ostrabrama jusqu'au dimanche 28 avril. Sœur Faustine a noté, à la fin de la cérémonie, le prêtre a pris le Saint-Sacrement pour donner la bénédiction. Alors j'ai vu Jésus exactement comme il était représenté sur le tableau. Le Seigneur a accordé sa bénédiction et les rayons se sont répandus sur le monde entier. Soudain, j'ai vu une clarté impénétrable qui a pris la forme d'un appartement en cristal, tissé de vagues de lumière inabordables pour les créatures et pour les esprits. Trois portes menaient à cette clarté. À ce moment-là, Jésus est entré, tel qu'il est sur le tableau, dans cette clarté, par la deuxième porte à l'intérieur de l'unité.
c'est une triple unité qui est inconcevable, l'infini. Soudain, j'ai entendu une voix. Cette fête est issue des entrailles de ma miséricorde et elle est confirmée dans les profondeurs de mon amour infini. Toute âme qui croit et a confiance en ma miséricorde l'obtiendra. Ma journée est à son déclin. Je sens déjà ton éternel éclat, mon Dieu. Personne ne saura ce que sent mon cœur. Mes lèvres se tairont dans une grande humilité. J'avance déjà vers les noces éternelles, dans le ciel éternel, les inconcevables espaces. Je ne soupire ni après le repos, ni après la récompense. Le pur amour de Dieu m'attire au ciel. Je vais déjà à ta rencontre, éternel ami, avec un cœur languissant qui te désire. Je sens que ton amour, ton pur amour, mon Dieu, est l'autre de mon cœur, et je sens mon éternelle prédestination dans le ciel. Je vais déjà chez mon Père dans le ciel éternel, de la terre d'exil de cette vallée de larmes. La terre n'est pas capable de retenir plus longtemps mon cœur pur. Et les hauteurs du ciel m'ont attiré vers elle. Je viens, mon bien-aimé, pour voir ta gloire, qui déjà maintenant comble mon âme de joie. Là où le ciel entier se plonge dans ton adoration, je sens que mon adoration t'est agréable, malgré mon néant. Dans le bonheur éternel, je n'oublierai pas les hommes sur terre. J'obtiendrai par mes prières la miséricorde divine pour tous. Et je me souviendrai particulièrement de ceux qui étaient chers à mon cœur.
et même ayant complètement sombré en Dieu, je ne les oublierai pas. Je ne sais parler avec les hommes en ce dernier moment. En silence, je t'attends seulement, Seigneur. Je sais que viendra l'instant où chacun comprendra l'œuvre divine dans mon âme. Je sais que telle est ta volonté, il en sera ainsi. Ô vérité, ô vie pleine d'épines, pour te traverser victorieusement, il faut s'appuyer sur toi, ô Christ, et être toujours près de toi. Sans toi, ô Christ, je ne saurais souffrir seul, de moi-même, je ne saurais me mesurer à l'adversité. Seul, je n'aurais pas le courage de boire ton calice. Mais toi, Seigneur, tu es toujours avec moi, et tu me conduis par des chemins mystérieux.